Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play de Dragon Quest XI. Aujourd'hui, on se retrouve du coup directement devant la ville, je me rappelle plus, Mandalay. Et on doit monter du coup au sommet du mont Pangai pour aller retrouver soi-disant un ermite qui serait monté là-haut. Et du coup, on a le grand lama qui nous accompagne. Bah écoutez, on va partir tout de suite, hein. Donc apparemment ce serait dans cette direction-ci. Je vais aller tout droit d'abord voir s'il n'y a pas des objets sous là-bas. Et après on attaquera l'ascension. Ok, le bâton d'anti-magie. Par contre je me demande vraiment quand est-ce que je vais retrouver mes coéquipiers parce que là ça commence à devenir un peu chiant à deux. Allez, on y go. Oh my god, il y a un dragon noir. Ok. On va commencer par un Fury Lame. On va continuer par un Fury Lame. Ensuite, on va faire H du mal, j'ai jamais essayé encore. Ah ouais, c'est sympa quand même. Ça y est, il est battu. On va prendre une petite monture, je pense que ça nous sera très utile. Je vais faire quoi des attaques normales vu qu'il est tout seul. On va pas dépenser de PM. Ce serait bête. Waouh, regardez ça. C'est trop beau. Ok, pas trop difficile à battre, ça va. Alors apparemment il y aurait une plateforme là-bas et ouais il y a un coffre. Bague du sorcier. Je me demande s'ils vont me laisser sur la monture ou pas. On verra bien. J'espère. Ah ben non. Bon, en même temps, j'arrive à un feu de camp, donc je dois bientôt être arrivé. Ah oui, d'accord. Bon écoutez, c'est assez étrange, on va dormir, ce sera déjà un bon début. Je vais passer par la forge en même temps. Tueuse de zombies, je peux toujours pas la faire, dommage. Bon,
Donc ouais, je réitère ce que je viens de dire, on va dormir. C'est super étrange quand même que le type soit arrivé comme ça, tout seul. Je me demande qui c'est. Bah, il est pas mort. Mais c'est une blague. Mais non, c'est pas possible. Après, j'avoue que c'est son sac et... Mais le problème, c'est qu'il était pas si vieux, quoi. Il y a qu'un mois qui s'est écoulé entre le moment où... On est tombé dans les vapes et on s'est réveillé. C'est chaud. Mais je comprends pas pourquoi il s'est rendu ici. Pourquoi avoir absolument voulu venir sur le mont Pangai? C'est bizarre, en plus j'y vais tout seul, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Non, regardez-moi ça! Putain, mais c'est trop trop beau, hein! C'est un truc de malade ce jeu! Pah, c'est un truc de fou!
Ok. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Après, si je suis là, c'est pas pour rien. Je pense qu'il va y avoir un combat ou quelque chose du genre. Je le sens mal, le truc, mais tellement mal. Ah ouais, d'accord. On va quand même pas se battre contre lui. Non! Ce truc de fou! C'est énorme. J'adore. J'adore. Évidemment. Je vous avais dit quoi? Je vous ai pas dit qu'il y aurait un combat? C'est elle qu'on va affronter. Thank you.
C'est en fait c'est le grand-père qu'on va affronter. Ça c'est dingue quand même. Allez, on y go. Ok, ça y est, on y est. Donc j'imagine que je dois avoir l'aptitude directement. Ah ouais, d'accord, ça commence bien. Bon, bah je vais commencer par me soigner déjà, ce sera pas mal. Ouais, elle est là. Et je peux donc pas utiliser les autres. J'ai pas le choix, apparemment je dois utiliser que celle-là. Oh, c'est nul! Ça fait que dalle en attaque. Oh là là, ça craint, ça craint. Et je peux pas me mettre en double garde. Ah ben oui, mince. C'est vrai que je suis plus équipé d'une... Parce que je vous explique, j'ai mis un bouclier pour avoir le maximum de défense en pensant que ça servirait, mais visiblement ça ne sert pas. Donc... Voilà. Bon, au final ça a servi à rien, je m'en serais bien passé. Parce que je me suis fait def. Donc je vais remettre mon équipement classique, c'est-à-dire l'épée de platine, le bouclier d'Héliodore. Et je vais me soigner. Ok, là c'est bien, il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Ce serait bien si j'arrivais à battre une ombre, comme ça je subirais peut-être un peu moins de dégâts, ce serait pas plus mal. Ok, voyons voir, je refais ça. Ah bien, une de moins. Oh non, il est recréé direct. Ah yes, je one shoot. En fait, ce sort, il gagne en puissance au fur et à mesure que je l'utilise. Plus je l'utilise, et plus... Ok, il faut que je me soigne. Sinon, je vais mourir. Donc, pas le choix. Nickel. Je pense que je vais me re-soigner, évidemment. Hein, mon but, ce n'est pas de mourir. J'aimerais survivre. Nickel. Là, au prochain coup, je tue la seconde ombre. Tendou, il m'attaque deux fois d'affilée. C'est une blague. Ah oui, d'accord.
Ça devient vraiment de plus en plus puissant. Mais je pense que ça a atteint son maximum. Ok, donc il faut que je me soigne encore une fois. Je vais attaquer Théo maintenant. Parce que vu que la compétence a atteint son... son maximum en attaque, il vaut mieux que je tue le principal concerné. Alors là, ça va être le coup de poker. Soit je le bats, soit il me bat. Je sais pas si ça vaut le coup de le jouer. Non. Je préfère me soigner et le tenter au prochain coup. Parce que là, c'est trop risqué. J'ai pas envie de me retaper tout ce combat là. C'est assez, assez chiant. Là voilà, je vais me re-soigner encore une fois, et après je l'attaque. Allez, là je l'attaque, c'est bon. Espérons que ça va le tuer, ça m'arrangerait fortement. Et ben oui, ça l'a tué, yes, yes, yes! Qu'est-ce que c'est ce truc? Ce truc!
Oh que c'est beau! Ah, de nouvelles cases sont débloquées dans son hexagramme. Ça, c'est intéressant. On va regarder direct, du coup, je pense, hein, parce que je veux pas... Porte de nacre et... Ok. Je vais pouvoir voir de suite ou pas? Yes. Ok, alors, hexagramme. Ok, il en a un assez grand quand même. Bon, écoutez, on va arrêter ce let's play ici pour aujourd'hui. On reprend dès le prochain épisode, du coup, notre route pour Arborea. Je vous remercie d'avoir regardé ce let's play, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.